ici, il faut d'abord rester du point de vue sémantique. C'est quoi le bloc patriotique? Et c'est quoi le force vive de la nation? C'est là où doit se situer le débat. Parce que vous remarquerez que les signatures posées sur le communiqué de l'appel de l'Église par l'Église ici représentée par Milapro, CalCC et CELC, là c'est l'appel de pas du bloc patriotique, c'est l'appel aux forces vives de la nation, voyez-vous, et que nous sommes allés signer pour le compte de Nouvel-Élan. Et ici, je souligne que la Mouka, comme étant coalition politique, n'était pas allée signer comme force vive, force sociale et vive de la nation, voyez-vous. Et donc, c'est ça, c'est que moi, je peux apporter ici comme précision. S'agissant du bloc patriotique, nous devons d'abord nous poser la question, le contenu du bloc patriotique, c'est quoi? Quel est le charte ou le cadre légal créant le bloc patriotique? Et donc, à mon humble avis, le bloc patriotique n'existe pas. N'existe pas parce que si le bloc patriotique existerait, il y aurait un texte ou un cadre légal capable de fédérer toutes les forces. Mais parlons de ces blocs patriotiques. Comme c'est déjà une polémique dans la toile, même vous, les journalistes, du point de vue sémantique, l'appel des forces vives, des forces sociales et vives de la nation, vous le confondez à l'appel du bloc patriotique. Moi, Nouvel-Élan, je ne reconnais pas le bloc patriotique. Parce que le bloc patriotique n'est ni fondement, n'a pas de contenu. Et quand il faut parler du bloc patriotique, nous allons marcher avec qui au sein de ces blocs? Parce que devant nous, la situation que nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une situation créée par M. Kabila. Et donc, je vais vous faire ici, comment c'est, je vais brosser ici un tableau, vous démontrant le voleur et les receleurs. Qui est le voleur? Le voleur ici, c'est Kabila, qui a boutiqué les résultats des élections de 2018. Et les receleurs, c'est qui? Les receleurs, c'est M. Félix Antoine Tshilombo, qui a accepté l'offre venant de Kabila, qui a boutiqué le résultat des élections et a volé le pouvoir, la victoire du peuple, hold-up électoral, et voilà, il va le donner à messieurs, donc voilà, M. Félix Antoine Tshilombo. Est-ce que faudrait-il que nous, la Mouka, nous composions avec ces deux tableaux que je venais de vous brosser? Du coup, la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, je vais vous dire, mon cher ami, ceux-là qui nous ont amenés aujourd'hui sur ces terrains, sur cette situation de crise sociale, politique, économique, nous devons encore recomposer avec eux. Et s'il faut recomposer avec eux, pour quelle finalité? Le peuple souffre. Le peuple aujourd'hui en pâtit. Et donc, entre le voleur et les receleurs, devant la loi, ils sont tous coupables. Il n'y a personne à épargner. Raison pour laquelle le bloc patriotique ne peut pas avoir le jour. Je vais encore revenir là-dessus pour recadrer un peu votre questionnement. Parler au moins de forces vives de la nation, de forces vives et politiques de la nation. Ne me parlez pas du bloc patriotique. Parce que si vous mélangez les deux, vous me mettez dans une très mauvaise position et que j'aurai du mal à répondre. Mais s'agissant de l'appel de forces vives et politiques de la nation, mais c'est clair, mon cher ami. Consensus veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, nous ne demandons pas seulement consensus autour de ce projet de loi électorale, non. Nous demandons processus autour de, consensus plutôt autour de ce processus électoral. Parce que figurez-vous, le processus électoral, c'est un tout cohérent. Et que dans ce processus, nous devons donner à cette CENI la crédibilité, l'impartialité, la neutralité. Mais est-ce que dans les cas sous examen, cette CENI rassure le parti prenante? Je dis non. Est-ce que cette CENI joue infrangé vis-à-vis de partenaires? Je dirais non. Par rappel, la CENI, c'est une institution à l'appui à la démocratie et qu'il a le devoir de nous organiser des élections
avec transparence et les règles du jeu bien négociées entre parties prenantes. Et que nous, de l'AMUCA, quand nous appelons à un large consensus, c'est-à-dire large consensus justement pour renforcer la dynamique des institutions, dont le cas sous examen, c'est la CENI. En renforçant la dynamique nationale, la dynamique des institutions, nous visons la cohésion nationale. Nous visons la paix nationale entre nous. Aujourd'hui, nous avons une crise politique sans précédent qui n'a jamais connu ma nation qui est le Congo. Aller aux élections dans ce climat ici, mon cher ami, je vais vous dire, c'est déjà le décollage qui est mal, le taxi est mal négocié. Et donc le décollage sera catastrophique. Raison pour laquelle nous appelons à un large consensus. Et large consensus, je dis merci à nos pères de l'Église qui ont attendu. Donc voilà le son des cloches provenant de l'AMUCA qui insiste large consensus. Mais je sais que vous serez tenté de nous dire, voilà, le cadre institutionnel est là. Il y a le Parlement, il y a la CENI, et le Parlement, c'est le cadre par excellence où il faut aller dialoguer, il faut aller parler. Mais je vais vous dire que même ces parlements n'inspirent pas confiance. Pourquoi ? Parce que nous tous, nous savons de quelle manière citoyen Mbosso est arrivé à la tête de ces parlements. Les députés, comment ils sont arrivés là-bas ? Et quand on va requalifier la majorité en plein législature, justement pour composer l'union dite sacrée, et c'est une institution que nous nous devons donner crédit, nous disons non. Et comme d'habitude, toutes les lois sont élaborées en extra-institution, on se retrouve dans des salons, dans des cafés pour élaborer nos lois et finalement ces lois sont apportées au niveau de Parlement justement pour être coulées, discutées et être coulées en termes de lois. Il n'y a pas un agenda caché et on n'a pas aussi à faire des allégeances à M. Kabila parce que M. Kabila a organisé l'hold-up électoral de 2018. C'est comme ça, tout à l'heure, je venais de vous dire que je l'ai taxé pour un voleur qui a tripatrié les choses et à M. Tshisekedi, un recelé. Voyez-vous ? Mais M. Adolphe Mouzito, l'initiateur de mon parti Nouvel Élan, n'a pas à faire un clin d'œil à M. Tshisekedi. Je sais que vous me posez cette question par rapport à son tweet qu'il venait de faire. Voyez, il a reconnu comment cette performance inégalée, jamais réalisée, avec nos régies financières. Donc il est resté cohérent, parce que nous, Nouvel Élan, c'est les idées. Nous nous débattons des idées, parce que nous supposons que nos idées sont sérieuses. Et quand Mouzito dit que voilà, les régies ont allé au-delà des assignations et qu'ils ont réalisé un record que le Congo n'a jamais connu. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas sous l'impulsion de M. Chilombo. Ça, on doit se le dire. Ce n'est pas sous l'impulsion de M. Chilombo. Mais les régies ont allé au-delà des assignations, justement, parce que la tonne de cuivre a monté. Le prix est monté. Voyez-vous, aujourd'hui, la tonne revient à 10 000 dollars, alors que c'était à 6 000 dollars. Vous voyez, et par conséquent, les entreprises minières ont réalisé des bénéfices et aujourd'hui, nous sommes dans une période fiscale, quoi de normal, lorsque les entreprises payent les impôts, ils vont payer plus. Et c'est ça ce qui a occasionné, et voilà, cet record, ces records de réalisation des recettes du point de vue de nos régies financières. Mais aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils ont réalisé 1,5 milliard de dollars, ok ? 1,5 milliard de dollars, c'est le record. Mais l'utilisation, ça, c'est là où ça va poser problème. L'utilisation va poser problème. Parce que déjà, quand vous réalisez 1,5 milliard sur les taxes, donc ça suppose que l'autorité budgétaire doit s'en saisir du dossier. L'autorité budgétaire doit appeler le Premier ministre au Parlement, justement, pour obtenir la rectification de notre budget. Parce que, figurez-vous, la RDC aujourd'hui a un budget de 10 milliards de dollars. Dans les 10 milliards de dollars, la RDC, en ressources propres, doit mobiliser 7 milliards de dollars. Et les 3 milliards de dollars proviendra de nos partenaires, qui ne vient jamais. Alors, tablons sur les 7 milliards de dollars. Plus le résultat, les records réalisés par nos régies. Eh bien, notre budget sera augmenté à l'auteur
de 8 milliards 500. Et quand vous prenez les 8 milliards 500, l'autorité budgétaire aura maintenant l'obligation, en rectifiant le budget, la masse salariale des agents et fonctionnaires de l'État doit augmenter. Le coût des investissements augmentera également, et voire même, on aura à affecter une bonne enveloppe allouée à nos forces armées. Vous voyez, c'est de là où. Mais quand je vois déjà ici l'attitude du régime, qu'est-ce que j'ai dit, du gouvernement Samalou Kondé par rapport à cette recette, il y a risque que cet argent soit affecté à des projets qui n'est pas repris dans le budget national, dans des dépenses qui ne sont même pas repris dans le budget national et ce qui violerait comment la loi budgétaire. Donc, M. Adolphe Mozito avait fait seulement comment il a appelé à l'éveil. Et moi ici, je vais encore dire, interpeller le patron de l'IGF, M. Alinguete. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà augmentation, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un record du point de vue de recettes produits par nos régies financières et que M. Alinguete doit avoir les yeux braqués autour du gouvernement. Bien que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas à M. Alinguete d'enquêter le gouvernement. Mais dans l'utilisation de cette recette, parce que ça touche les finances publiques. Et quand ça touche les finances publiques, l'autorité budgétaire est censée d'être concernée directement.